Alors en fait, dans cette conférence, il s'agissait de prendre à rebours le public, puisque alors qu'en tant qu'anthropologue, je suis attendu sur les questions de culture et de rituels sauvages qui permettraient de comprendre l'épidémie et notamment de souligner le fait que ces populations ignorantes ne comprennent pas l'épidémie Ebola, il s'est agi au contraire de montrer en quoi l'expérience et la réponse de la population au dispositif de lutte contre l'épidémie étaient liées à des facteurs historiques et politiques qui permettaient de replacer Ebola dans un contexte beaucoup plus large, qui est le contexte des enjeux sociaux de la Guinée contemporaine.